Alors le Moulin Rouge aujourd'hui, il est connu dans le monde entier. C'est l'un des symboles de Paris. D'après une étude de l'Office de tourisme qui a été faite auprès des étrangers, le Moulin Rouge arrive en troisième position comme monument français. Donc c'est un emblème, l'emblème de la France dans le milieu du spectacle et dans le monde de la culture. Et aujourd'hui, le Moulin Rouge, il est, je dirais même, à son apogée après 121 ans d'existence. Un spectacle magnifique avec des artistes qui viennent du monde entier et un succès qui ne se dément pas puisque l'année dernière, nous avons eu 98% de taux de remplissage. À Paris, ville des artistes bohèmes, en cette fin du 19e siècle, l'année 1889 voit l'inauguration du Moulin Rouge, un cabaret aujourd'hui emblématique. Dans une salle modeste, sous une coupole parée d'ailes de moulin, pour la première fois, des jeunes filles montrent une danse très osée pour l'époque, la quadrille, qui rapidement prendra le nom de French Cancan. Sur un rythme endiablé, des jupes virevoltent, des jambes se montrent et montent très haut. Elles attirent un public nombreux, des marchands, des princes, des écrivains, des artistes. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Toulouse-Lautrec qui immortalisera sa danseuse préférée, la Goulue, sur des affiches originales placardées dans tout Paris. En 1915, un incendie ravage le Moulin Rouge jusqu'aux fondations. Plus tard, une salle est reconstruite. La légendaire Miss Tinguette y chantera. Dans les années 60, la chorégraphe Doris Ho donnera une nouvelle dimension au cabaret en créant les Doris Girls. Ces danseuses, appelées ainsi encore aujourd'hui, mettent au point des spectacles toujours plus colorés. La reine Elisabeth II, elle-même, fait partie des admiratrices. Les plus grandes stars du monde entier se sont produites sur cette scène mythique. Liza Minnelli, Ella Fitzgerald, Edith Piaf, Yves Montand, Frank Sinatra ou encore Elton John. Aujourd'hui, le spectacle Féerie, qui est à l'affiche, rassemble plus de 600 000 spectateurs par an. Hi, this is Alex. Nice to meet you. Zdravo. Alex, zdravo. Are you from? Serbia. Serbia? Da. Koliko vreme si živjao u Srbiji? Pa nekih 20 godina. 20 godina? I dovoljno. I si došao u Francije? Pardon? A u Francije došao? U Francije 10. 10? 10. A koliko vreme si u Moulin Rouge? 10, skoro 10. 10? Da. I si jedna od zvezdite na Moulin Rouge? Tako kažu. Tako kažu. Od tuk ili od tuk? Kada je blizame? Umetnički ulaz je ovde. Ovde, dobre. A za turiste i za posetioce je ovde. Dobre, ajde ajmo. Da se obličeš. Znaješ si kode? Ajmo. Posle vas. Ti pred nas. Hvala. Na koliko si godini, Alex? Na koliko sam? Godini. 30. 30? Mnogo mlad. Tako kažu. Koliko rano predi predstavljenje ideš? Sat i po, zavisi kako kad. A, okej. Okay. Sad ume med. Raspisvate se? Da, uvek se upisujemo kada dolazimo. Kato zavod? Fabrika? Da, kato fabrika. Kao zavod, tačno. Koga ideš i koga si trgaš? Pa, uvek tako vode evidenciju ko je došao, ko nije. Koliko časa na den prekarvaš tuk? Počinjem negde oko 8, prva predstava počinje u 9 sati uveče. Lele, seki den? 6 puta nedeljno. 6, a imaš li vakanciju? Imamo, 5 nedelja godišnje. Dobre, kada je tukli si se ga? Ovde, ajmo. Kakvo je tova? Nema nikog za sada, prvi sam. Ti si prvi odličnik? Prvi. Kada je tvoje mjesto, tova? Evo ga ovde, Alex. Alex. Ja. Nema nešto puno slika, ali svi proizvode koji su tu i to je to. Ima jedna mala slika New Yorka, ali ajde. Bio li si v New York? Da. Da? Emi, od kak tu si zvezda, možeš da hodiš na svakade po sveta? Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Od koliko državi sa tvojite kolegi? Ima preko 15, ako ne i 20 različitih država. Mm-hmm.
Što se tiče regiona, dakle, mi potičemo, ja sam jedini. Tatuša, iz te bivše Jugoslavije, ja sam jedini. Postoje neke kolege koji su iz Rumunije. Rumunije? Da, iz Bugarske nema niko. Što? Ne znam. Ne mogu da tancuva dobre Bugarske. Ne znam, ja nikad nisam bio u Bugarskoj, pa ne znam. Kak mi navedi tvoj den? Do koliko spiš? To će trajati nekde za 1:15. Znači imamo dva nastupa uveče. Prvi počinje u 9, drugi počinje negde oko 11:15, 11:30. I onda završimo negde oko 1:15. Onda se stuširate, skinete šminku, ostavite kostime i pravac kući. Spazvaš li dijeti, hodiš li na džim? Da, tri puta nedeljno džim, tri puta nedeljno plesne časovi, pazim šta jedem, masaže i ostale stvari koje su potrebne za ovaj posao. Kak se čustvaš Pariš? Odlično, odlično. Meni ovaj grad stvarno prija. Jedan od najlepših gradova jeste na svetu, ali i pogotovo koliko pričate francuski, onda je mnogo i lakše. Qu'est-ce qui va faire la différence lorsque vous devenez vedette? Eh bien, ça va être la personnalité, extrêmement important. Le regard, ce que vous allez donner dans vos yeux, la manière dont vous allez jouer avec votre regard, avec le public. Qu'est-ce qui fait une vedette? C'est que généralement, le public il dit « Oh là là, la fille du milieu, elle est incroyable. Ah, la fille blonde, elle est incroyable. » Parce que forcément, elle est belle, elle danse bien, mais elle a donné quelque chose en plus. Elle a donné d'elle-même. Là, à l'intérieur, il y a mes perruques, les chapeaux, les accessoires et une partie des costumes. Voilà. Pour commencer, déjà, nous prenons que les grandes filles. Pour nous, chez nous, c'est les grandes filles. Alors, c'est minimum, strict minimum, 1m72. Si la fille est vraiment très bien, de préférence, 1m75, 1m80. Pour les garçons, c'est 1m85. Pour la taille, mais pas seulement la taille, c'est aussi le physique, la silhouette, les longues jambes. Très important dans les costumes. En plus de ça, il faut être très très bonne danseuse dans toutes les disciplines. Il faut avoir suivi les cours classiques. En général, ce sont les danseuses qui ont commencé à 5 ans. Alors là, ce soir, je suis la meneuse de revue principale. Donc c'est toujours un peu spécial parce que je mène la revue, donc il faut quand même... être en forme physiquement, psychologiquement, on sait qu'on a une troupe de 50-60 artistes derrière soi, donc il faut être au top. Et bah, c'est toujours beaucoup d'adrénaline et ça c'est bien quoi. C'est ce qui nous mène. Enfin, le jour où il n'y a plus d'adrénaline et qu'on monte sur scène un petit peu blasé, je pense qu'il faut arrêter. Avec ça, il faut aussi être capable d'aller sur scène avec la personnalité et le sourire. Et ça, tous les jours. Bah, tous les jours, sauf le jour de repos et les vacances. Mais tout le temps. On ne peut pas être « Oh, j'ai pas envie. » Parce que ça ne marche pas. Alors, il faut une discipline et une consistance dans le travail. Il faut faire toujours la chorégraphie qui est imposée. Vous ne pouvez pas aller sur scène faire comme vous voulez. C'est très strict. On a plus de 850 personnes par soir, par spectacle. Il faut savoir deux spectacles par soir, pour ma part 6 jours sur 7, mais le moulin est ouvert 7 sur 7 toute l'année. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel de se dire que bah, on danse tous les soirs devant une salle qui est complètement pleine, des gens qui viennent du monde entier pour voir le plus célèbre cabaret du monde. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu une pression, on n'a pas envie de décevoir et puis on a toujours cette connexion, cette interactivité avec les gens. Et ça, c'est assez fabuleux de partager ça tout au long de l'année. Et de voir des gens, des enfants qui ont les yeux écarquillés et voilà, qui sont voilà, dans la salle du Moulin Rouge. Donc ça, c'est bien. Cette béguin, tu as roulé sa perle sur ma
suis sans âme, retenant les larmes, vivant sans ta flamme, je n'ai presque plus d'âme. Je pense que la chose qui fait le succès du Moulin Rouge, c'est avant tout la qualité de son spectacle. Parce que même si on est connu, les gens vont venir au Moulin Rouge, mais si le spectacle ne leur plaît pas, ça peut être très négatif pour nous. Nous, on a cette chance d'être connus et d'avoir un spectacle qui plaît. Quand les gens sortent du Moulin Rouge, ils en parlent à tout le monde en disant « on a vu un spectacle fabuleux ». Donc je pense que la qualité de nos spectacles est la chose la plus importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne lésine pas sur les moyens lorsqu'on crée un nouveau spectacle, puisque Féerie a coûté 9 millions d'euros. C'est un budget colossal qui fait qu'on garde une revue très très longtemps. Je suis Alexandre, le sous-chef habilleur. Je dirige le service couture et habillage. Donc 15 couturières présentes de 8h à 23h tous les jours de l'année et 25 habilleuses également tous les soirs à partir de 20h30 jusqu'à 2h du matin. Le poste des costumes est le premier budget de dépenses de la revue, 4 millions d'euros sur la conception de la revue, des maquettes jusqu'à la réalisation complète des 1000 costumes, ce qui prend environ 2 années. Les costumes sont entièrement faits à la main, brodés chez les plus grands brodeurs de la haute couture, avec des plumes véritables, des cristaux du grand fabricant de cristaux. Et donc tout est entièrement fait à la main. Le maquettiste prépare tout le spectacle en fonction des souhaits du metteur en scène. Donc c'est très réfléchi, ça prend beaucoup de temps. C'est environ 1000 heures pour... Il y a environ 100 maquettes, je pense. Plus de 1000 heures de travail de dessin, c'est très très long. Donc par exemple, un tableau très important dans le spectacle, c'est le final prologue rouge tout en autruche rouge. C'est le tableau le plus marquant. Donc celui-ci, ça a pris beaucoup de temps pour bien réfléchir. Les danseuses sont habillées d'une façon, les nues, après il y a les vedettes. C'est très très réfléchi, comme le grand final qui est également un tableau... très très important dans le spectacle, qui est électrique, lumineux. C'est le tableau le plus cher de la revue. 15 000 euros un costume de fille, un seul costume. Parce qu'il y a les bottes faites sur mesure, les plumes, tout le costume est tout brodé, le système électrique, tout s'allume. Oui, alors le Moulin Rouge, il y a 3 ans, a racheté la maison Clairvoix qui fabrique les chaussures de spectacle en général en France et même dans le monde, puisqu'ils travaillent pour énormément de théâtre et même de personnalités. Tout simplement parce que si on les rachetait pas, ils allaient fermer. Pour nous, c'était très, très catastrophique parce qu'on ne sait pas où on aurait fait fabriquer nos chaussures, sachant que quand on crée un spectacle, on a 700 paires de chaussures à faire et qu'à chaque fois qu'une nouvelle danseuse arrive, elle a des chaussures qui sont refaites pour elle. Et puis, cette maison Clairvoix, elle travaillait pour nous depuis plus de 50 ans et elle a une spécificité, c'est le secret de la bottine de Cancan. Qui est la bottine de Cancan pour le Cancan du Moulin Rouge, qu'ils ne font que pour nous avec son secret que je ne pourrais pas vous dévoiler. C'est une bottine assez simple qui est tout en cuir, mais qui est utilisée pour une danse qui est quand même très très sportive. Donc elle a besoin d'être à la fois souple pour que les danseuses puissent bouger avec, mais à la fois très solide pour que ça puisse protéger en fait les chevilles, les talons aussi quand elles tapent au sol, et que ça leur tienne bien bien les jambes, qu'elles ne se cassent pas la figure sur scène en fait. La taille du talon sur une bottine de cancan classique comme celle-ci, sur un pied de taille moyenne, on est à peu près 5 cm de hauteur. Voilà. La deuxième particularité, c'est la fermeture éclair qui est placée à l'extérieur, tout simplement parce qu'en fait, elles amènent très souvent les jambes près du visage au moment des écarts, et pour éviter le moindre frottement avec le visage, la moindre blessure, du coup, en fait, le système de fermeture pour changement rapide est placé à l'extérieur, tout simplement. Voilà, et une petite bride ici pour maintenir bien le coup de pied, pour avoir cette sensation d'être bien tenu et de pouvoir bouger et se mouvoir comme elle a envie. Sachant qu'on les entretient très régulièrement et que dans notre fabrication, on est capable de revenir au cœur de la chaussure. D'où l'intérêt de fabriquer les chaussures à la main et sur mesure, c'est que si la cambrure casse, on peut la réparer. Si le talon casse, on le change. Et d'un point de vue esthétique, on essaye au maximum de garder l'allure qu'elle a quand elle est neuve. Od koliko godišnje tancuješ? Od 9. godine, znači ima više od 20 godina. 9 godišnje počne? Kada? Da, počne. U Jugoslaviji. U Jugoslaviji. Klasički balet ili modern dance? Radio sam sportski ples. Mm-hmm. Znači,
Nekada sam bio državni prvak Jugoslavije u sportskom plesu. Koliko godini možda si igraje? Zavisi od vašeg zdravlja. Ako ste, ukoliko ste u formi, ukoliko i dalje dobro izgledate, možete da igrate do 40. godine. No, do 50 njama? Pa, zavisi od genetike. Se zavisi od genetike. Znaš li njakoj fmulerus koji je tu na 50 igrao? Mrš ili žena? 44, 45. I dalje igraju na sceni. Na scena? A. Bravo. A, sa mnom će igrati večeras. Ima ih. Da. Ali, to su već neki zadnji momenti. Mhm. Tako da, sve je moguće, mislim sve. Mnogo dobre plaštat li fmulerus? Pa jedna od boljih jeste, ali radi se i puno. Ja uredim 52 nastupa u mesec dana. Mm-hmm. To ni lepa brena ne uradi. Le spectacle féerie rassemble une centaine d'artistes de 14 pays différents. On compte une soixantaine de filles pour une vingtaine de garçons. Une représentation demande un millier de costumes et plus de 800 paires de souliers. Des spectateurs du monde entier se pressent aux deux représentations par soirée du célèbre cabaret, 365 jours par an. Certains d'entre eux ont économisé des mois durant pour cette soirée passée au Moulin Rouge. Je pense que quand on est danseur, la première chose qu'on nous apprend, notamment en danse classique, c'est l'humilité. C'est juste savoir qui on est, ce qu'on fait. Et on a toujours cette notion de perfection qui est loin et le chemin pour y arriver, il est dur. Quand je dis je suis danseur, il dit ah, ça se voit. Parce que la morphologie, le corps, et quand je travaille au Moulin Rouge, ils sont tous « Ah, waouh !» Il y a des réactions, je ne savais pas, il y a des garçons au Moulin Rouge. Il y a cette sorte de réaction aussi. Où souvent, ils disent « Ah, j'ai jamais été au Moulin !» Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont jamais visités au Moulin, en fait. Avec le 8, là. La salle du restaurant Moulin Rouge peut contenir jusqu'à 800 personnes. Depuis 1959, le cabaret propose avant chaque spectacle un menu raffiné, accompagné de champagne et d'une large sélection de vins. 120 serveurs et 25 cuisiniers assurent quotidiennement le service de 17h à 1h du matin. Nous sommes 400 personnes à travailler au Moulin Rouge et c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Chaque poste a son importance. Même si vous occupez un petit poste, ben vous savez que ça a de l'importance. Le plus important pour nous, c'est que les clients soient bien accueillis, soient contents de leur soirée et repartent en faisant des compliments. Donc chaque personne va apporter bien évidemment, l'eau au moulin va apporter sa petite pierre hein, pour que tout soit parfait. Bien évidemment, il y a des postes incontournables. C'est vrai que, par exemple, le poste de Monsieur Henri, qui est directeur de salle, extrêmement important, puisque lui, il chapeaute 120 personnes. C'est lui qui va donner le là pour la façon d'accueillir les gens, la façon de les servir, la manière de leur parler. Donc ça, c'est très important de donner cette envie à son personnel, de donner cet amour du Moulin Rouge à son personnel. Il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance, qu'ils soient fiers de travailler ici. Please, come on, please. Yep. How many together? Three. Three. One, two. No, three. And three, please, come on. Trois personnes. Vous savez, j'ai servi depuis les années que je suis là toutes les personnalités du monde entier. Hein? En général, beaucoup d'artistes, des hommes politiques, tout le monde. Monsieur Chirac, entre autres. J'ai eu pas mal d'artistes américains, Frank Sinatra, Liza Minnelli. Voyez, j'en passe parce que j'en ai tellement servi que je ne m'en rappelle même plus. Pour moi, c'est toute ma vie, voyez. Je pourrais arrêter depuis longtemps, je continue parce que j'aime tellement cette maison et j'aime bien faire, voyez, être dans le coup et croyez-moi, c'est une vie magnifique. Alors, je viens du sud de la France, comme je vous disais, de la Côte d'Azur. Donc, je suis issue d'un milieu pas du tout artistique.
Mais depuis toute jeune, j'ai pratiqué la danse depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Dans la famille, on a un politicien, on a un champion de boxe olympique. On a complètement à raison de toute l'activité, mais la danse, non, je suis première dans la famille. Quand on commence, on vit Moulin Rouge. Nos amis se sont ici. On sort avec, on dîne avec, des fois on part même en vacances avec. Ça devient vos amis. C'est comme si vous allez à l'université. Vous êtes là, vous avez 18 ans, 19 ans, vous partagez les chambres, les appartements. C'est un peu le même esprit. C'est ça qui est bizarre, qu'ici, on ne grandit pas. C'est comme s'ils sont toujours à l'école. C'est l'éternelle université. Éternelle étudiant, sauf qu'elles sont payées. C'est vrai que parfois, par pudeur, je ne dis pas forcément mon métier, puisque bon, ce n'est pas forcément évident à comprendre aussi pour l'entourage. En ce qui concerne ma famille, mes amis ou ma vie privée, ça a été très bien perçu. C'est vrai qu'on est quelquefois dénudés, que les gens ne savent pas forcément ce qu'on y fait. À chaque fois que les gens sont venus voir le spectacle, les retours ont été très très positifs et les gens ressortent avec des paillettes plein les yeux. Dans la backstage, on voit les filles qui sont nues, on a un string, et pour moi c'est complètement ça, normal. Qu'est-ce qui c'est pas normal dans la vie quotidienne? Parce que dans la rue, je vois pas cette sorte de filles. Mais même si je vois, pour moi ça va être normal. Ça fait plaisir pour voir une très belle femme. Corporellement, chaque fois que je dis les danseurs, ils sont architectes de l'espace. Parce qu'on ne fait pas quelque chose. On ne peut pas. Par exemple, quelqu'un qui construit la table dit : je construis cette table, je touche. On ne touche pas notre art. Mais quand vous voyez un collègue physiquement qui fait un mouvement génial, et en plus cette personne elle est belle, et il fait ce mouvement organiquement bien, c'est une beauté. Si c'est bien, voilà. D'accord. Je suis content. Ces petits paradis. On envoie toutes les canettes et tout au monde. Oui, chef. Dans les cuisines du restaurant Moulin Rouge, chaque minute compte. Derrière les noms très artistiques des menus, French Cancan, Toulouse-Lautrec ou encore Belle Époque, se cache une armée de soldats infatigables où chacun tient un rôle déterminé avec précision. Le cabaret Moulin Rouge est le plus grand acheteur privé de champagne du monde. C'est un véritable trésor qui est stocké dans ses caves. Pas moins de 240 000 bouteilles de champagne sont consommées au restaurant chaque année. Et chaque soir, plus de 700 seaux à champagne en argent sont utilisés pour le servir à température idéale. Cela aussi fait partie du spectacle. C'est vrai que quand je suis sur scène, je vais séduire puisqu'on est là quand même en tant qu'acteur, artiste, et il faut capter l'attention, d'autant plus quand je suis meneuse de revue comme ce soir. Le but, c'est vraiment d'être la showgirl, et c'est vrai que la fille que je vais être sur scène n'est pas forcément la même que je suis dans la vie, et heureusement quelque part. À Paris, chaque nuit, quelques secondes avant de rentrer sur scène où je m'isole, où je me concentre, je chauffe mon corps, dans ma tête, je repasse les pas qui vont arriver, ce qui va se passer. Si j'ai un partenaire, vu qu'on travaille avec différentes personnes chaque soir, je vais le rencontrer pour qu'on essaye un porté s'il y a besoin. C'est les téléphones, les
Il est ouvert avec un... Bon, ça donc. Quand vous signez un contrat, vous êtes à répétition pendant 3 ou 4 semaines parce qu'il faut doucement reprendre la technique de cancan parce que c'est difficile. Il faut prendre toutes les chorégraphies, il faut se bien intégrer avec l'autre équipe et il faut bien savoir comment faire le costume, mise en place sur scène, lumière et l'autre chose. Ça prend du temps, c'est pas assez. Voilà. C'est très facile, la même comme la Yougoslavie, je pense peut-être dans votre Bulgarie aussi, au niveau de l'étiquette. Ils vous donnent l'étiquette, mais pour enlever cette étiquette, c'est tellement, tellement difficile. Je me souviens très bien parce que, comme Eurovision 2008, j'étais maître de cérémonie, Eurovision, et j'avais un microphone, et les gens me disent « Ah, tu peux parler !» Et c'est complètement ridicule parce qu'en fait, presque 99%, tout le monde, il part s'il n'y a pas une maladie, pathologie ou je ne sais pas quoi. Mais j'étais obligé de travailler comme malade pour avoir un micro sur scène pour changer les idées des autres personnes qui travaillent dans le milieu artistique. Yeah, baby. Working. Lorsque nous créons un spectacle, en général, il dure 10 ans minimum. Pendant 10 ans, on ne touche à rien, c'est exactement le même spectacle, c'est exactement la même musique, c'est exactement la même chorégraphie, les mêmes costumes, les mêmes décors. On entretient, hein, on refait les décors pratiquement tous les jours, on les entretient. Les costumes, on les entretient, ou parfois on les refait, mais on les refait à l'identique. La seule chose qui va changer pendant 10 ans, ce sont les numéros intermédiaires, les visuels, comme les acrobates, ou le ventriloque, ou le jongleur. Eux ont des contrats d'un an qui sont renouvelables. Мулен Руж – это один из лучших мест вообще, которые есть в свете, и мы очень счастливы, что мы здесь можем работать. И я думаю, что здесь главное иметь свою оригинальность, что-то иметь в себе, какую-то харизму. Иначе сюда очень тяжело попасть, потому что очень много номеров здесь пробовало, и кто-то удерживался, кто-то не удерживался. Кто-то работал здесь год, кто-то работал здесь 2 года максимум. Вот мы уже держимся, слава богу, здесь уже почти 5-й год.
знаете, у нас у акробатов, то, что я думаю, и Моники, и папа с мамой, и мои папы с мамой всегда говорили, у нас по-русски это говорится «кровь из носа». Это значит, надо репетировать, 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 репетировать. Бывают плохие дни, дождь идет, не хочется, спина болит, как я говорю, рука болит, то репетировать, улучшать, улучшать, потому что сейчас с артистами очень большая конкуренция. Надо быть или очень высоко, или просто не делать этого. Pas vous cacher que c'est difficile puisqu'on est en horaire décalé. Donc si on a un conjoint qui a des horaires de jour, on a du mal à se voir quelquefois. C'est un métier où on peut pas se donner à 50 ou 60%. Pour ma part, c'est 100%.